Oui, merci Monsieur le maire. Le théâtre municipal à Paris se porte très bien, ainsi d'ailleurs que le théâtre privé. Il est très subventionné par la ville de Paris. D'ailleurs, pour notre plus grand plaisir, Théâtre du Châtelet, je vais commencer aussi par citer le Théâtre 13, qui fonctionne très très bien et qui a un public formidable et qui s'adresse à des gens qui sont déjà, comment dire, très impliqués dans tout ce qui est activité théâtrale. Or, il nous paraît que à Paris, la part qui est donnée et l'aide qui peut être donnée au théâtre amateur est trop faible et nous souhaiterions qu'il puisse être aidé. En effet, le théâtre amateur, en fait, attire une clientèle qui n'est pas la même que les autres. Ce sont plutôt des amis, des membres de la famille, des gens qui ne sont pas encore convertis. C'est un public qui n'est pas encore captif au théâtre, qui n'a pas vraiment cette démarche. Et bien justement, peut-être on pourrait les inciter à y aller davantage. Et ça peut se faire par le théâtre amateur, qui a aussi comment dire, un tissu social intéressant, puisque dans les troupes amateurs, plein de gens j'allais dire, de milieux différents, d'horizons différents se retrouvent, et ça constitue une troupe qui, en général, est toujours sympathique parce que ce sont des gens qui sont extrêmement motivés. Donc, nous souhaiterions que la ville de Paris aide un petit peu davantage ce théâtre amateur. Et pour ce faire, on vous propose que un festival annuel du théâtre amateur à Paris soit créé, puisque c'est déjà le cas dans certains arrondissements, et à cet effet que la ville de Paris réunisse les directeurs, les directrices des théâtres municipaux avec les maires d'arrondissement pour éventuellement élaborer avec eux les contours, la durée, les modalités d'un tel festival, pour que les troupes de théâtre amateurs puissent jouer une représentation dans l'un, pourquoi pas, des théâtres municipaux de Paris ou bien dans une jolie salle parisienne, afin que ce théâtre amateur soit promu et qu'on lui donne une dynamique et un élan. Voilà, je vous remercie.